qui est pas assez rigide. Mais celui-là, j'ai l'impression que le bus là, il est vivant. Ah bah. C'est un diesel, hein. Il pleut, après il y a du soleil. Elle est barrée, mais vous passez quand même. Parce qu'elle était. En fait, c'est juste ils ont enlevé les panneaux. Ah. Parce que, ouais, il y a. Pendant une semaine, c'était barré. Ah, ouais. Ah, bah oui, parce qu'ils ont goudronné. Ouais, c'est ça. C'est là où avant c'était. Ah, ouais. Ah, bah ça fait du bien des fois, un petit peu de goudron tout neuf. Plus vite, lui. Il a même pas vu qu'il y avait un grenade. Ouais. Il était surpris. Là, nous, on a eu une note de service parce qu'il y a des collègues qui voulaient appeler le train d'ici. Ouais. Et sur les trains, ça fait du bruit apparemment. Ah, bah. Si les routes étaient en meilleur état, s'il n'y avait pas toutes ces bouches d'égout qui dépassent, ouais, qui font cogner le bus, il y aurait beaucoup moins de bruit. Hein. Bah, c'est comme sur le 111, hein. Le 111, il y a eu des plaintes aussi. Et les gens se plaignent tout le temps, mais ils sont bien contents de trouver les transports en commun. Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour.
Les gens, tu leur mets des affiches sur les abonus, mais ils disent pas. Ils disent pas, ils attendent bêtement. Ouais, c'est ça. Et puis au bout d'une heure, ils se disent tiens, c'est bizarre. Allez-y, la porte est ouverte. Fleuri, hein, du coup. C'est joli. C'est sûr, c'est plus joli qu'en plein hiver quand il n'y a rien dessus. C'est sûr. Même sur les bords de l'Inde, ça. Ah ouais. Après, ils vont vous faire chier avec les bagages. Ouais. Mais je comprends pas, moi, mais même à Saint-Maur, la même hiver, il y a des bagages. Ouais. C'est peut-être justement pour éviter que ça repousse trop ouais. Fort au printemps. Après, ce qu'il faudrait sur les bords de Nantes, c'est les branches, parce que des fois, quand les branches dans les rétros, un jour ça va péter les rétros. Donc en soi, c'est pour rien, quoi. On avait le même problème sur le 393 à un moment, quand on passait devant devant le KFC, là, à Bonneuil. Ah oui. Ouais, ça tapait la girouette, ça tapait les rétros. Ouais. Et puis les feuillages aussi, donc le chef de ligne, à force de chercher et de jamais trouver qui c'est qui s'en occupe, parce qu'on a demandé aux jardiniers, tu sais, les jardiniers qui viennent couper le pont de la pelouse, tout ça. On leur a dit vous pouvez pas, ils ont dit non, parce que nous on n'est pas assuré pour monter sur un escabeau, tout ça. Bon, alors super. Il dit on peut pas monter, on peut pas effectuer des travaux en hauteur. Et comme on n'a jamais réussi à trouver, le chef de ligne, il n'a jamais réussi à trouver un interlocuteur, un jour il est venu avec son sécateur et son escabeau, puis il l'a fait lui-même. C'est vieux ça, c'était il est à la retraite maintenant. J'arrive pas à trouver, tout le monde se renvoie la balle, c'est jamais personne, on sait pas qui s'en occupe. Et là, j'ai pris mon escabeau, mon sécateur. Je suis passé, c'était un dimanche. Je l'ai vu grimper là-dessus avec son truc. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je coupe les branches. Bah, au moins, il était sur le terrain, lui. Bah, ouais.
quand on revenait, il y avait certains endroits aussi où le feuillage était tellement dense que ça masquait les feux. Ah oui. Donc il a essayé aussi de couper les feuillages devant les feux rouges, devant les feux tricolores, parce que on voyait plus le feu, on voyait plus le signal, tu sais, le orange et le bleu. Tellement c'était dense. Mais le problème c'est ça, c'est que quand il y a un truc qui ne va pas, tout le monde se renvoie la balle, et puis c'est jamais personne. Qui c'est qui s'en occupe alors, tu vois? Ah bah c'est pas nous. Et l'autre il dit bah c'est pas nous. T'appelles la ville, il dit on sait pas, c'est pas nous. On a une ampoule, l'ampoule fait verte. Avant d'arriver à Rhin-Danube, il y a l'ampoule verte, ça fait au moins 2 ans qu'elle est grillée. En plus, ça, je suis sûr que c'est la ville. Et justement, la ville a dit que c'est pas eux. Parce que le site propre, il est divisé en plein de portions. Ouais. Et sur chaque portion, il y a une société. Une société spécifique pour chaque chose. Ouais. Mais va trouver le bon, toi. Au lieu d'avoir confié la gestion du truc à une seule société, tu vois, du début jusqu'à la fin. De celui-ci jusqu'à Pompadour, parce qu'après, à Pompadour, c'est le TVM, et le TVM, il y a une société qui s'en occupe. Et non, il a fallu que ça soit divisé en plusieurs trucs. Ici, il paraît que quand ils ont refait les bords de main, là, c'était presque. Ah ouais? Je suis sûr que des fois il y en a qui se gardent dedans quand même. Ça m'est jamais arrivé. Ah bon? Parce que les gens, les automobilistes, des fois ils sont tellement. Ils sont tellement futurs. Ça m'est pas arrivé encore. Mais oui. Genre j'en ai pour 2 minutes, tu vois. Ouais. Je me mets là. Et comme par hasard, c'est juste au moment où le bus arrive. C'est vrai que c'est pas large. Lui, il s'est garé dans la limite. C'était ici que c'était bloqué. Moi, je n'oserais pas garer ma voiture là, tu vois. Ouais, connaissant les chauffeurs de la RATP, il y a un collègue. Il est proche de la retraite aussi. Il s'en fout. Il fonce. Il y a un rétro qui se pète, c'est que la voiture a été mal garée. Ouais, bah oui, c'est pas faux. Là où il y a souvent des rétros qui tombent, c'est sur le 217. Ah oui, oui. C'est la rue qui. Pas devenir plus près. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime pas du tout. Plusieurs fois, je faisais du 217, j'arrive et je voyais une coquille de rétro par terre. Plus loin, je voyais une voiture avec le rétro qui pendait. Et on voyait que ça venait d'être fait, tu vois. C'est vrai que là. Et puis, ils peuvent pas interdire le stationnement. Non, mais apparemment, avant qu'ils repassent les bords de main, c'était super large ici. Ah oui, bah, c'est parce que leur truc qu'ils ont fait au milieu, là, il est trop large. Ouais, c'est ça. Ils auraient dû faire 20 cm de monde. Tout ça pour mettre des arbustes. Voilà, ouais. On met tout sur le côté. Bon. Ouais, et puis l'autre jour, j'arrive.
ma Mustang, qui est là. Ah ouais. Oh là là, comme elle est belle. Oh. Ouais, elle est tout en là en plus. Hein. Oh. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Elle est souvent là. Hein. Ouais, bah, c'est un garage Ford. Elle est peut-être même à vendre. Hein. Mais le problème ici, c'est que ça se vend au moins 50 000 euros. C'est belle comme ça, bleu avec la bande blanche. C'est peut-être une Shelby. Hein. Ouais. En tout cas, c'était un 5 litres, c'était une demi-cylindre. On repasse devant dans l'autre sens, non? Devant. Oui. Ouais, ah ouais. Ouais, parce qu'on vient là-bas. T'essaieras de t'arrêter, je ferai une photo. Ici, avant, on s'arrêtait pas. Une fois, il y avait des travaux pour. Ils ont mis une terminus, du coup c'était là. Et depuis, ben, ça va être là. Et sinon, c'est clair pour faire tout le tour. Est-ce que je pense que c'est le plus. Bah ouais, les gens, il vaut mieux qu'ils descendent là. Ouais. Ils gagnent du temps. Mmh. Bah, c'est comme sur le 112, tu sais, quand t'arrives juste avant la gare. Le dernier ouais, avant la gare, tous les gens descendent là la plupart du temps. Ouais. C'est rare qu'il y en a qui fassent le tour avec toi. Comment il s'appelle cet arrêt là, je me souviens même plus. L'école. Ouais, l'école quelque chose. Mais avant c'était là le terminus. Ouais, on faisait le tour à vide. Et ouais. Puis il a été décidé qu'on fasse le tour avec les voyageurs. Toute la semaine, 5 jours. Je crois que j'ai fait 2 nuits et des soirées. Demain nuit sur le 111. Après 112 ce soir. Ah.
Ouais.